Mais. Il est 17h, les amis. Ouais. Pa 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 la pa, pa 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 la pa. Salut tout le monde. Non, moi j'attendais qu'Image Hero fasse l'intro. Hein. Ah oui, c'est vrai, il a fait l'outro, donc tu te démerdes. C'est mon rôle maintenant. Ah oui, tu te démerdes, t'as voulu le faire la dernière fois, maintenant c'est ton problème. Ouais, c'est parti, 17h, bienvenue à tous sur le stream. On est accompagné comme d'habitude de Yakipon, Jake, Loulou et moi-même, Image Hero. Salut. Sur le stream Diva Sound, on est bien, on est posé, on va passer un bon moment. Posez-vous pendant 2 heures. Profitez. Waouh, c'était chouette. On l'embauche quand? J'ai fait mon almanax. Ok, impec. Donc la dernière fois, on s'était quitté avec les gelées et les quêtes des confitures. On l'a fait un peu dans notre coin pour ceux à qui il a manqué 2-3. Donc je la rends là vite fait. C'est bon, je l'ai rendu. Et on va partir sur aujourd'hui le crackler légendaire, vu qu'on en a besoin pour 2 quêtes. Et on verra après ce qu'on nous propose, tout simplement. Voilà. Sachant que ce donjon est chiant. La cracotte. Et on utilise le trousseau de clés. C'est à qui? À Cracotte. Ah, il est là, je l'avais pas vu. C'est vraiment bizarre, tu vois la différence entre les vieux monstres et les nouveaux monstres là. Ouais. Genre les nouveaux monstres ils sont beaucoup plus. Je sais pas en fait comment dire. Ah, ils sont moins pixelisés quand tu zoomes dessus, ouais. Oh, c'est mal fait. Ah ouais! Ah, la différence elle est incroyable quoi. Va falloir qu'on leur écrive, refaites vos cracklers s'il vous plaît. Pardon? Jane, Jake, donne 90% à ta monture, comme ça Thomas il nous rattrapera plus facilement. Oh, mais... Bon. Ouais. Non, ouais, c'est bon, avec il est à peu près au même niveau, donc c'est bon. Bon, j'en mets 50, je coupe la poire en deux. Comme tu veux, mais moi j'ai pas mis au Volcorn. Je préfère beau le dire. Beau ton Volcorn. Hmm? Beau ton Volcorn. Et t'as vu? Il est quoi? Il est doré quoi, ben, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, doré ben. C'est du noir? Ok. Il est doré ben. Allez, c'est parti. Ça serait bien de faire 2-3 châles. Ouais, on pour valider les monstres. Pourquoi tu joues plus en premier? Parce que j'ai un cac qui me fait moins 200 en initiative. Ah oui, quand même. Mais oui, c'est clair. Pas une initiative négative. Waouh, c'est fou. Ça peut être difficile, je pense. C'est quoi ça, des craclopes? Est-ce que c'est des craclores salopes? Je sais pas, j'avais envie. Promis, c'était la première et la dernière. On fait élitiste? Allez. Les PM, c'est facile à faire aussi. Oui, bon, on peut faire les deux. Putain, mais... Quelle bande de casse-couilles. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin l'aise spirituel. Ah, le Est-ce que ça va nous servir? On verra. Le soir qui ressuscite un allié juste pour 2 tours, c'est ça? Ouais, bah... Ouais. Avec la moitié des PA et PM. Ouais, et de la vie. Ah oui, bravo. Oui, mais la vie... C'est vrai qu'il pouvait pas bouger. Merde, j'aurais dû te mettre un taclab. Mais la vie, si tu dures 2 tours, c'est pas un problème. Ouais, faudrait que je remette le son. Il fait du feu grâce à ses bras silex. On voit pas que c'est du silex quand même. J'aime bien l'association des mots, genre des bras silex. Oh, la maison grotte. La maison grotte. La maison grotte. Des bras silex. Pas une invoque, ça, hein. C'est bon, j'ai dû boire au moins 500 millilitres de thé là, je suis au taquet. 500 millilitres?
Bah ouais, je pense, oui. Dans ton mug? Ça fait 2 mugs ou 3. Ah, ok. Bah j'ai dit que j'ai rempli une théière. D'accord. Je me suis fait une théière, mais comme je suis tout seul, bah je le bois tout seul. D'accord. Voilà. Arrête les droits et Super tout. Mario 4. Merde. Je chante tellement bien que ça va se faire striker. On va se faire striker à cause de ma voix. Mais exactement. Mais si. Pourquoi j'ai pas tout le son Parce que t'es pas tout seul, on n'est pas tout seul. Casque. Aïe. Bah. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas trop ça en fait. Ça me file une charge aussi. Si en fait il y a. Ouais, bon. J'aurais dû en fait attendre d'avoir deux charges et. Bref, c'est pas grave. On s'en fout. Oh là là, mais tellement de damage de tofu. Fouic. Au fait, je... Non. Ah, c'est dommage, il te manque un peu. Je suis drôle. Ah, Thomas, faut que je te passe le reste de ta panneau. Ah ouais. Je t'avais passé tout mon argent. Take all my money. Tu m'en avais passé 600 000, je crois. Ok. Ça t'a coûté plus de 600 000? Bah disons que rien que les bots, c'était 450 000. Ah. J'espère... Il a disparu. J'espère que tu vas en faire des dégâts avec ça. Non, c'est des bots de soins. Wow. 450 000. Putain. Attendez, on n'y va pas, on fait un échange. Tu veux d'autres argent ou pas? J'ai 100 000 non, en plus. Non, c'est bon. Eric? Oui. C'est toujours en ligne? Oui. Pourquoi? Attends. Moi, il est en ligne, c'est bon. Ça m'a fait peur, quoi. Mais oui, c'est bon. Ok, d'accord. C'est mon Chrome qui m'a dit une erreur est survenue, mais que sur Twitch. D'accord. D'accord, merci. Ben, je veux pas te faire peur, mais c'est peut-être ton mélangeur de son qui a foutu le problème alors. Parce que moi j'avais ça comme problème pendant un moment. Mon mélangeur de son? Je veux dire ou pas externe. Hein? Je suis sur un truc externe sur le mélangeur, donc ça m'étonnerait. Ok. Bon bah go. Allez. Oula! Elle est pas être 5, hein? Bah c'est ouais. Le problème du donjon. C'est que si t'es trop, bah t'es niqué. Ouais. Et du coup, il y a plus de salles. Il y en a 4 des salles ou pas? Non, il y en a 5. Ouais, il y en a beaucoup plus. Oh, versatile, sérieux. Eh, venez, on fait partage. Merci. Parce que j'ai pas du tout envie de faire versatile. On se les répartit. Ouais, on se les répartit. Bah, dès qu'il y en a un qui en a tué un, il arrête de tuer. D'accord. Bah, moi je vais prendre le craclope alors. Oh, mais il retire des PA. Il y a des faiblesses R. Putain, c'est vrai que niveau. Après, il est plus pixelisé, mais je trouve les couleurs plus jolies. Oui, non, mais c'est sûr. Je préférais quand ça s'appelait des flamiches. Et des flamèches. Il y en a toujours, mais c'est avec les scarafailles. Ah, c'est juste que c'est plus gros. Oui. Pourquoi ils ont pas appelé grosse flamèche?
Parce que c'est un élément terre. Voilà, moi j'ai tué. T'aurais pas pu aller prendre le craqueur des plaines, non. Il avait 40% de résisto, t'es chiant. R. Bah ça va, le craclope il a 10%. Bah oui, mais moi je voulais le craclope parce que l'autre il a 17%. Tain, t'es chiant, oui. De toute façon, il y a toujours que toi qui compte. Et je vais tester ma masse. Et mon pâté. On va voir les non-dégâts de la masse. Jake. Ah pardon, c'est, j'ai vu un petit temps de... Moi de jouer. Vite, vite, vite. Voilà. Ouais. T'as le droit de passer ton tour pour les... Oh, mais j'ai perdu un PA. Ah oui, ils peuvent affaiblir. Attention, les non-dégâts. 1, 2... Ouais, pas mal. Ça va ? Non, mon arc, il était bien meilleur. Ah oui. Oui, mais ton arc, il indiquait de fausses données. Ça, c'est pas faux non plus. Peut-être que lui aussi. Non, je crois pas. Oh, mais il m'énerve, lui, à enlever des PA. Tu peux les affaiblir, hein. Mais tu les tues pas, s'il te plaît. J'aimerais bien avoir performance moyenne. Ah, enfin j'ai des PA. La 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 la. Ouais, j'ai droppé du diamant. Un œil. Chemin d'ivoire. Pourquoi tu droppes si peu, toi? Parce qu'il a de la merde. Qui, toi? C'est qui, toi? Quoi? Moi, parce que j'ai aucune prospection. Non, tu XP, pardon. Mais parce que... Je donne tout à la monture. Et pas toi, l'équipement? Bah non. Ok. Moi, je suis bientôt au niveau 82, donc... Moi, je suis à la moitié du niveau 80. D'accord. Cette place pour tout le monde? Oui. C'est un Craig Bull qui joue avant moi, quoi. Ouais, Mystique. Le premier qui utilise son arme en corps à corps, je le bute. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu mon cac. Toi, non. Et moi, tu l'as tout buté. Il tape neutre mon coq, donc je vais pas l'utiliser. On fait le deuxième ou pas? Non. Génial, je suis content.
coup, j'arrive pas à trouver le paramètre qui permet d'avoir le même décor que toi en mode tactique. C'était bizarre ça quand même. Peut-être que ça se fait en quittant le jeu et en revenant, je sais pas. C'est dans options fonctionnalité, t'as utilisé le mot tactique coloré. Non mais c'est quand même imbécile, oh là là. C'est pas grave, ça arrive. Surtout à moi en ce moment. Genre ouais, roue de la fortune. Ah oh, bah le buff dans le vide. Tu leur as promis de leur donner des bonbons ou quoi? Ils sont tous à côté de toi, genre oui! Utiliser une tactique colorée, il est déjà coché, hein? Bah, c'était. C'est tes écrans qui sont nuls, j'en sais rien. Bah, décoche-le pour voir. Et. Est-ce qu'il y a une différence? Tu le décoches, on va faire un combat. Tu vas le recocher, on fera un combat. Quoi? Putain, j'ai pas assez de PR. Il me jette des cailloux dessus. Il t'a jeté la première pierre. Fais attention à la deuxième. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, Louis? On fait un combat ensemble, et... Tu le décoches, on va faire un combat. Tu le recocheras, et on refera un autre combat. On va voir. Fonctionnalité. Utiliser mode tactique coloré. Fermé. Vous vous lancez des cailloux entre vous? Tu veux vraiment que je te vole dans les plumes ou... C'était pour le rapprocher de Thomas. Ouais, non, mais surtout que t'as fait que ça, quoi. Bah, genre... je pouvais pas faire grand chose d'autre. Mais si, un truc utile. Ah, mais pour envoyer des cailloux sur les gens. Mais je pensais qu'on faisait les petits d'abord, j'avais pas vu que c'était... Lui, il a dit non dès le début. Putain, mais je le veux, ça. Mais qu'est-ce que t'as droppé, Jake? Une bouffe-bol surprise. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Ça va? Attends, non. C'est où? C'est... Non, il y a prix moyen disponible. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas... c'est où? Cette bouffe balle contient un bonbon. Quoi? Il me tarde la prochaine carte. T'as double-cliqué dessus, Jake? Attends, je vais faire pousser. Il va se TP. Il va se TP quelque part. On va grave. J'ai obtenu une bouffe-gomme fraîcheur lavande liée au compte. Oh, c'est un truc qui augmente la prospection ou l'XP. Alors, je lis la description. Les disciples de Cam mâchouillent consciencieusement cette bouffe-gomme avant un match de bouffe-bol afin de garder une haleine fraîche durant toute la durée de la rencontre. Une bouche saine et une hygiène irréprochable sont les moteurs du succès. De plus, cette friandise donne un bonus en puissance. Putain. Ah ouais. Mets-toi dans le canal groupe. C'est quoi le canal groupe? Clique sur l'étoile tout en bas à gauche. À gauche. Ça? Oui. Et tu fais sur l'objet que tu viens, sur le bonbon, tu fais un clic droit et partager dans le chat. L'HP. Tu fais shift click. Shift click. Ah ouais, 30 de puissance pendant 5 combats. C'est pas mal, mais il y a mieux. J'ai mangé du coup. Hein? D'accord. Oui, vas-y. J'ai mangé. Du coup, j'ai mis une haleine fraîcheur lavande. On aurait dit que tu parlais fourche langue. Non, ah, non, ça été... non, non, ça j'aurais fait blablabla. Mais ça fait pas blablabla, ça fait ça.
Aïe, aïe, aïe. Bon. Tu es un saucier, Harry. Tu es un saucier. Genre... Oui, quelle sauce. Tu es un saucier de sauce brune. Oui, mais dans ce cas, oui. Est-ce que saucer, c'est trempé? Oh putain. Mais il est fou. J'ai envie de saucer. Enregistrer une image. Ah ah ah. Ah ah ah. Oh, c'est châle de merde, quoi. Ouais, un peu, ouais. Mais c'est bon, on a fait un châle sur tous ces mobs, là. Oui. Pourquoi on n'a pas validé le succès? Bah, parce qu'il y en existe d'autres. Monstre. Il est fou, lui. Il a cru que c'était gratuit. Il nous manque un craquelourd. Oui. Et je ne sais pas où ils sont. Craque quoi ? Craque-lourd. Ils sont peut-être dans les plaines rocheuses de Kania. Peut-être. Peut-être que non. Oh, Yamin a dit qu'on tapait haut. Lol. Moi je peux, hein, techniquement je peux. Mais est-ce que j'en ai envie ? C'est raté. Regardez dans le canal même. Oui, je vais le faire là maintenant. D'accord. Putain, mais... mais putain. This is a strawberry. De l'envol. C'était nul. Ton tofu, il a pris des dégâts? Oui, c'est le putain de crackboule qui renvoie des dégâts en zone. Ah oui, d'accord. Mais foutez-moi la paix, quoi. J'ai compris. Mais j'en ai marre. Blap. Oh. Le crackler des plaines. Et qu'on fasse le premier challenge ou pas? Répondre vite. On peut. Le crackler des plaines. Dépêchez-vous. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai de devant pif là? Oh putain, c'est pas possible. J'ai libé. J'ai libé. Et j'ai crit. Et j'ai crité. Je voulais pas crit, moi. J'ai tout ruiné. Attends, j'ai testé mon cac. Bon, ça fait rien. Boum 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 boum. Cube. Personne n'est bûcheron niveau 120. Bah non. Dommage. Non, j'ai pas assez de barbe pour ça.
Okay. En vrai, si. Je rigole. J'ai une chemise à carreaux qui doit traîner, par contre. Putain, pour moi. Non. Quoi? Jack n'a pas toute sa vie. Ah, pardon, excusez-moi. Aldo Obscur. Okay. J'aime voilà. Bien le paysage à droite, là. Moi, je le trouve vraiment très beau. Les nuages, en tout cas. Waouh. Oh, qu'est-ce que t'as fait avec le pain? Quoi? Je sais pas. Une petite quoi icône au-dessus de ta tête. Une icône au-dessus de sa tête. Tu m'inquiètes, là. Non, non, il a raison. Non, il y avait une icône sur sa tête pendant qu'il utilisait un pain. C'est... bizarre. Il est peut-être parti en combat sans nous. Ouais, c'est ça. Il reprenait un monstre au pain. Je n'avais acheté qu'un. Bah, je sais pas quel pain t'as utilisé là, mais c'était chelou. Oh, un pain rond. Oui, merci, mais putain. Je sais pas lequel. Il y en a plein des pains ronds. Ils ont des chapins ronds. Vive les Bretons. Putain. J'aimerais crever quoi. On peut des challenges. On peut, ouais. On peut faire partage. Bon ben on va faire partage. J'aime bien parce que vous le dites quand j'ai fini mon tour quoi. J'aime bien parce que je t'avais donné même un PM en plus. Oh mais quelle idée. Moi j'ai de la portée. Hein. Ah, je sais même pas pourquoi mais... je colle les NG de putain. Porté, je vais au cac. Mais oui, mais c'est parce que je joue un perso cac et un perso distance. Je sais plus où j'en suis. Vous me laissez le crackler, s'il vous plaît. Non. C'est comme moi qui pars au cac avec un snipe sur Splatoon. Je sais pas pourquoi je fais ça. Du coup, je prends le crackler. Ouais, de toute façon... La prochaine map, elle est trop cool. Il faut rien la dire. La map, elle est trop cool. On ne dit rien. 3... Ok, je pensais avoir encore un PA. Alors attendez. Flamier. Battu-le. Oui. Mais avec ça, parce que je ne peux faire que ça. Mais là, je vais faire mal à des gens. Du coup, je vais faire ça. Je suis mal à qu'à moi. Voilà. C'est quoi ça? Alors, ils sont survénères hein, en ce moment, c'est incroyable. Tous mes mèmes. Tous les mèmes, les SOS. Partent dans les airs. Et dans l'eau laisse une trace. Dont les écumes font la beauté. Ok. Oui, je vais supprimer ça.
Merde. Merde alors. Maryse, annulez tous mes rendez-vous. Qui c'est qui a pas tué ? C'est Thomas. En même temps, la question ne se pose plus. Apo. J'ai pas. Pourquoi tu fais ça ? Pour le faire chier. J'ai disparu. Quand c'est moi qui fais des choses comme ça, on m'engueule. Hein. Moi, je vais pas enlever un seul point de vie. Tu feras attention. Quand on fait, quand tu fais une KO, on t'engueule pas. Je vais mettre un truc dans Funny, dans Meme, pardon, dans le channel Meme. Mm-hmm. Si ça dérange, tu l'enlèves. Alors, ça me fait beaucoup rire, mais on va éviter d'en parler en public. Allez, non. Pour ceux qui nous suivent sur le stream, ce n'est pas Peggy 18 ni rien, ne vous inquiétez pas, c'est juste une blague de très mauvais goût, mais très drôle. Ah, elle est bien. J'en avais plein des comme ça. Il faut traverser, Guillaume, faut aller à l'autre, à droite, là, à l'escalier. Non, 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 attends. Allez, c'est quoi si on tombe? C'est vrai? Attention, Jake. Ah. Un point invisible. Et je suppose que il faut marcher au milieu. Il faut faire case par case. Faut faire case par case. T'es tombé, Jake. <Jake. rire> On remonte comment? Il y a une échelle sur un côté. Il y a pas une échelle? Si, mais je peux pas cliquer dessus. Ah, faut faire le combat. Il y a un combat à faire alors. Il y a un monstre, ouais. Il est fort. Niveau 71, il a l'air tout seul. Il a l'air. Il y a les autres qui sont embusqués, tu sais. Merde, mais ils sont les mêmes. Il est tout seul. Mais normalement, dans le listing, s'il y a écrit comme monstre, c'est qu'il est tout seul. C'est Kirboul l'érodé, le monsieur. Enfin, le caillou, là. Attends, c'est un archi-monstre ? Mais non. C'est une blague. Non, non, c'est pas un archi. Il s'appelle Kirboul l'érodé, j'en sais pas. Kirboul l'érodé, Si, si, c'est un archi. Mais non. Bon, ben non, alors. Bon, d'accord, c'est pas un archi. Je viens de le regarder. Enculé, il a 1900 à 2300 points de vie. Oui, j'ai peur. Il fallait attendre toutes les indications. La prochaine fois, tu te jetteras pas dans le vide. Mais je ne suis pas jeté dans le vide en plus. J'ai juste cliqué. On me provoque. Attends, je vais tous les mettre. Non, non, je vais crever. Non, c'est pas ça. Je vais mourir. Je peux plus les regarder. Je le connais pas, le dernier. Oh, je sais pas qui c'est. Il lui reste combien de vie? 700. Ah. Ah oui, quand même. Tu l'as, tu le connais? Normalement, oui. Il va me faire mal. 500.
fait. Ah, j'en veux plus. Attends, j'en ai plein d'autres, regarde. Non. Oh là là. Oh mon dieu, mais il y en a tellement. Oh mais tout ce que t'as mis. Le Patrick, ça va chier, il est balèze. Mais quel malade. Patrick, c'est pas bien. Non, non, c'est pas cool du tout. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Daniel Balaras, rien à en branler. Et ouais, mon gars, MDR. Bernard, tant pis. Non, mais ça fait rien. Haha, t'inquiète, une autre fois. Bon, Jack, active la grille. Ouais. C'est où déjà? À côté. C'est bon, j'ai des... C'est bon. T'es obligé de faire case par case? Oui, t'es obligé. Pourquoi le percepteur, il tombe pas? Ah, l'autre, il est tombé. Mais il y a le... la grille, Drake. Oui, mais il y a le monsieur centaure qui me gêne, là. Ah. Mais tu sais que tu peux ne pas marcher au milieu, je crois. Hein. Si, c'est qu'au milieu. Ah bon. Fais le mode créature quand on a besoin de lui. Thomas, bouge. Ah ouais. J'aurais bien aimé cliquer dans le vide. Bah quoi, j'ai bougé. Allez, Jake. Tu peux avancer, Jake? T'as le vertige ou quoi? Ouais. Allez, encore deux cases. Oui! Maintenant tu prends l'escalier. Ah, mais c'est lourd. Bah attends, toi t'as bien porté des bateaux. Niveau 180? Non. Oui. On peut couper le gros arbre. Ouais. Oui, on peut. Mais Jean-Jacques Goldman. Tout le monde est prêt? J'ai pas toute ma vie, non, c'est pas vrai. Il se croit drôle. Excuse-moi d'avoir donc des mêmes de première qualité, mais un humour de merde. On peut pas tout avoir. Le crackler légendaire invoque des monstres. Des crackleurs. Et il a un sort qui lui donne beaucoup de résistance. C'est soit quoi, lui, succès. Soit. Les succès, bonne question. Je suis en train de regarder. Donjon 51 à 100, c'est ça? Oui. Alors, c'est. Le tuer en premier. Pusillanime. C'est quoi? Ne pas terminer sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Donc ne jamais être au corps à corps. Mais attends, quoi? Quoi? Ah non, c'est pas hardi, putain. Mais... Oui, c'est pas hardi. Oui, pas terminer à côté d'un adversaire. Ne pas terminer et... à côté d'un adversaire et le tuer en premier. Premier, okay. Easy, hein. sans déconner. Ouais. Si celui-là on le plante, c'est qu'on est vraiment des merdes. Et ne pas finir son tour à côté d'un ennemi, bah, ça dépendra de si Jake sera taclé ou pas. Voilà. Attendez, il faut que ça rentre bien dans ma tête. Donc on ne finit pas à côté d'un adversaire. C'est ça. Ok, ça devrait aller. Et après? Faut tuer le boss en premier. Le cracker légendaire en premier. D'accord. C'est tout? En plus du challenge, bien sûr. Oui, enfin, on verra. Hein. Oui. On verra. Pour l'instant, si on se il invoque un cracker des plaines. Non, c'est quoi lequel qui nous manque? Un craque lourd, mais ça marche pas sur les invocations. Merde. Dommage. Allez, c'est parti. Et voilà le chat. Blitzkrieg! My name is Jeff. Ouf, non merci. Petit smiley. Il était alors, content. On va commencer par... ça. Il a 3100. Ça va. Les mecs qui en ce moment tapent du 22 000 quoi. C'est ça. Des mobs à 22 000, les meilleurs quoi. Allez, moins 5 PAM. Boum.
PAM. PAM. Mais on peut les affaiblir. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, t'as un peu plus, hein. Tu n'as la place. T'as plus fort sur le prochain tour. Pop, 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 pop. Alors. Plumeau. J'invoque. Canine. Et j'avance. Salut! C'est marrant qu'il ait moins 12% de résistance terre. Pourquoi lui? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui, il me faut vite invoquer mon ventrille en fait. Peut-être que Jake passe en mode créature pour savoir lequel sont les invoques. Ouais, c'est pas faux ça. Non, mais j'ai compris avec la timeline. Ouais, mais en mode créature, si tu vois pas bien, les invocations elles sont orange. Donc on s'en fout du orange. C'est surtout qu'on voit beaucoup mieux en mode créature. Oui, là ils sont. Parce que là ça prend quand même pas mal de place. Ah! Fougue! Bah en fait, j'ai compris. Bah non, pas fougue, il pourra. Il pourra faire libé encore. Putain. Je sais pas quoi faire. Voilà. Mais reste pas en plein milieu. Je peux faire qu'un PM. Oh là là. Zéro. Tu l'as tapé à zéro parce qu'il réduit les dommages de 4500. C'est balèze. Cela dit. Merde. Ok. Je pensais taper plus que 4500. Philippe, il est con. Je me dirige vers Thomas. Tu peux peut-être passer par le petit trou à droite, je sais pas. Oh putain! Enfin, moi ça me gêne pas, mais pour vous c'est la merde là. Il faut vite invoquer celui-là. État? Allez, je me casse! Hein. C'est quoi cet état qu'on se tape là? Je sais pas, c'est éclaté au sol. Pané. Je l'amène là-bas pour qu'il nous foute la paix. Oui, mais faut le taper en premier. Oui, mais faut le tuer en premier. C'est bon, je le ramènerai. Oh là là. Ils sont pénibles. Hein. Moi, j'essaie de vous sauver la vie. Tu vois, il revient et tout. Bah bravo, maintenant, il a plein de résistance. J'espère que vous êtes contents. Genre, en plus, Guillaume et toi, vous pourrez pas taper dessus. Pourquoi? Parce qu'il a pris 100% de... Il a pris 117 de résistance haut. Si tu le tapes, ça lui fera rien. Tape. Aïe, aïe, aïe. Puis R, terre, haut. Non. Du coup, ça marche, hein, R. Oui, moi, R, je peux taper dessus. Mais les autres... Et moi aussi. Bravo. Mais Louis et Guillaume, on peut pas taper dessus. Mais je m'en fous, Louis et Guillaume. Ah, bah, d'accord, bah oui. Bon, ça va, bah, viens, Louis, on va stream de notre côté, hein. Ok. Oui, d'accord. Puis au pire, je le tue tout seul en premier. Vous faites pas chier. Non, mais j'hallucine, quoi. Jake est bien taclé, là. Et il peut plus refaire... Libé. Ah mais tu peux faire ton sort qui repousse là, non? Mais c'est il peut pas le faire au corps à corps, fellation. Ah, merde. Ouais. Non. Mais je peux tenter... Je sais pas, je tente un truc.
Bien joué. Merde. Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Bah, c'était, non, mais... c'était une bonne tentative. Merde. Dommage. T'aurais pu être moins taclé puisque c'était une invoque. Ouais, ça aurait pu. C'est pas grave. Ça arrive. Mais un jour, on va t'acheter des parchemins d'agilité. Pour ça me casser les couilles. Comme ça, au moins, tu seras plus taclé. Bon, prochain tour, c'est mon tour de test. Ah, j'aurais peut-être pu lui faire... Genre, vraiment. Prochain tour, faut que je teste quelque chose. Fougue. Merde. Ben, il va repasser derrière moi, désolé. Bon, je vais taper qu'une fois, allez. Non, c'est bien, j'aime bien les tours de magie. Bouge, hein. Je t'embête ? Ouais, pour mon tour de test, ouais, j'aimerais bien que tu recules, s'il te plaît. D'accord. Et pareil pour Thomas, tu peux éviter d'être au corps du crackler. C'est vraiment pour un test, hein, c'est... Hop, je vais... J'ai combien ? Je vais ici. 5, 6, 7, 8, j'ai rien. Donc non. On va faire ça. Merci. Et hop. Tu peux affaiblir ceux qui sont près de toi, hein, Guillaume. Alors ? Sans les tuer, mais tu peux les affaiblir. Ouais, là, c'est un peu la merde. Moi. Oui. Mais je pourrais le ressusciter. Ah. Et oui. Essaie de reprendre la vie sur l'élémentaire. Fais. Non. Fais l'ancien. Ben non, il est trop près. De l'élémentaire ? Il était trop près ? Il est où l'élémentaire ? Eh ben, c'était celui qui était. Là, il est à ton cac. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est un test. Je le tape de 179 à 194. Voyons voir. 1, 2, je me mets là. 3, badaboum. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Un peu de la merde. De faire plus monde sur tous les tofu. Et ça te rajoute 3 PA à chaque fois ? Oui. Pas mal ça, non ? Ouais, ça c'est pas mal, mais... T'as fait lien, quoi. Le sort il te coûte combien ? Il me coûte 4 PA. Ah oui ? Donc je sais pas si d'en avoir fait 2 c'était mieux ou pas. Quoi. Oh putain ! C'est bon, je le tue. 1 quoi ! Mais mets ton fou ! Eh, mon manga, un truc! Mon pâté! Il est où mon sort? Je l'amiche! On a réussi sort. Premier! Ouais! Et t'as requis pleutre? Pleutre! Et il me manque bien un sort! Non, c'est. Voilà. Et t'as requis. Bim. Alors, je suis assez ouvert sur certaines choses. Par contre, me faire gangbang par du gravier, ça me plaît pas. Ok. Donc là, après, on me fait hum quand je dis que les cracklobes, c'est des crackleurs salopes. Mais ça, c'est une insulte. Moi, j'ai dit aucune insulte. Hein. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est mieux de se faire gangbang. Mais non. Mmh.
Oh la vache. Los Damages. De la poubello. Ouais, j'aurais été vraiment très utile dans ce combat, putain. Ah oui, tu t'es occupé des monstres pendant qu'on s'occupait du boss. Ouais, j'ai fait de la nounou. La nounou. Moi j'aime bien. La nounou. Je me demande si je vais passer à 10 PA quand je changerai de chapeau. Si je passe à 10 PA, mais c'est la hausse. Je pense pas, non. Oh, t'es pas drôle. Laisse-moi croire. Paf. Non, 9 PA. Mais... On fout, tu vas gagner quand je vais être niveau PO. 100, ben je gagnerai 1 PA. Oui, oui. On va tous gagner un PA. Survie. Mais 2. Survie. Bah il a survécu hein. Ouais mais toi aussi. Je m'en fous de lui, c'est de toi que je parle. Wesh. Fluff. Scream Squidding Good ce soir. Quoi? Est-ce que c'était français? Scream Squid... Attends. Scream Squidding Good ce soir. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, Scream c'est quand deux équipes s'affrontent. Ah bon? Et Squidding Good c'est le nom de la team qu'on affronte, mais je savais pas apparemment. Je savais pas qu'il y avait ça ce soir. Oui. Bon, mais on n'a pas fait de challenge. C'est pas grave. On a réussi premier. D'accord. Putain, toutes ces pierres, ça ouais. Va, équipons. Bah ben ouais, je vais pouvoir toutes les transformer et les vendre. Et avoir de l'argent. Ne sortez pas du donjon, ne sortez pas du donjon, ne sortez pas du donjon. Je n'ai pas sorti du donjon. Sortez du donjon, faut faire quoi? Vous cliquez sur le rocher qu'il y a derrière l'orbe. Ouais. Ok. C'est bon, vous avez mis la quête à jour. Bravo. Oui. Vous avez obtenu un cuticule. Mais non. Mais si. Tu vas pas m'en faire un pataquès. Du coup, c'est bon? Oui, on sort et on va voir Patakès. D'accord. Donc, on peut aller se beurrer la cracotte. Damn. Quoi? Bah, damn. C'était cracotte. Biscotte, d'accord. Cracotte. Non. Damn. Je sais plus à qui il faut parler. Il faut s'étirer. Ça fait une heure. Il faut aller en 5-0 et en 1-3. 5-0-1-3. Ouais. Tu vois, c'est la quatrième invention là. Pourquoi il ne Hop. Attends, je remets à jour mes quêtes. C'est quoi le nom des quêtes? Les sbires du maître et la fureur de All Baïd. C'est dans... 5. Voilà, ça c'est bon. Ouais, niveau 81. Waouh. Plus qu'un niveau et j'aurai ma panneau complète. Comme la galette. Oh, j'ai envie d'une galette complète. Putain. Oh, mais j'ai tout en fait. J'ai la farine et tout. En vrai, je pourrais me... Ah, j'ai pas le jambon. J'ai de la pancetta. Non, je vais pas faire des galettes tout seul. Même si je sais les faire maintenant. Je vais faire des meringues. À nous deux, on fait un super repas. Y'a un... C'est le... Comment il s'appelle? Le Zap? C'est le château d'Amakna? Non, tu peux prendre le village d'Amakna. Le village d'Amakna, je pense que c'est le mieux. Ah. Moi, j'ai fait coin des bouffetous pour aller voir Patakès et je suis revenu sur le Doppelyop. Voilà. Coin des bouffetous, d'accord, c'est pas con ça. Après tu fais commenter. Mais c'est pareil, enfin je trouve que c'est mieux par le coin des bouffetous parce que t'évites les maps qui sont surpeuplées. Donc du coin des bouffetous je vais... Tu fais commenter, en 5-0. Tu vas en 5-0.
Ok. Patakès. Quête mise à jour, les sbires du maître. Non, ça aurait été mieux de faire Temple Yop et Patakès. Merde. Parce qu'après, on te demande d'aller au temple. Il y a un magasin avec des ballons. Merde. Il y a un magasin avec des ballons. Oui, c'est la boutique Crossmaster. Ça existe encore, ça? Non. Non, oui. Ok. De quoi ça existe pas? Crossmaster, je pense que ça existe plus. Ça. T'es sûr? Ils font plein de jeux de société. Ah ouais? Mais oui. Oui, mais pas dans le jeu Dofus. Ah, peut-être pas. Eh, attends. Quoi? Comment on gagne des crons? Mais je crois que justement, on peut plus. Ils l'ont désactivé dans le. Est obtenu en échange d'une grosse boîte ou d'une figurine. Mais les grosses boîtes, je crois que ça existe plus, hein. Ben, on peut acheter une grosse boîte pour 2 crons. Ouais, ils ont désactivé le jeu dans Dofus, en fait. On peut plus lancer ouais, le combat. Mais tu peux pas avoir des crons. Non, on peut plus. Ils ont tout désactivé. Alors pourquoi ils ont laissé le PNJ qui vend? Ils sont cons, quoi. Parce que ça aurait été super pour avoir des parchemins. Ouais. Nul, ce jeu. Putain, mais quelle idée d'avoir foutu des doplons que sur les avis de recherche, quoi. Bon, faut rentrer dans le temple Yop. Oui. Il faut parler à... Je sais plus. Ah ben, le mec à l'entrée. Riche les morts. Ouais. Voilà. Et maintenant, tu vas au temple Osamodas. Osamodas. Ouais, Osamodas. Osamodas, ils sont à droite de souvenirs. Ouais. Oui. On va voir Zurg. L'empereur Zurg. Ramener à Maïro une lettre de Zurg. Yens, on repart voir Mayonnaise. Est-ce qu'il faut aller d'abord parler à Chris de Nair? Ben, les deux sont à Bonta, donc on fera les deux en même temps. Ouais. Oui. Non, il a dit ça pour déconner. Il me semblait que c'était au donjon sacré. Bah du coup, rendez-vous Bonta. Ouais. Oui, attends. On entend Jake. Moi, je suis à Bonta. Je lui fais confiance. Ah, je suis tombé sur Tristan le vrai. Donc j'espère qu'il n'y a pas Tristan le faux qui se balade. Tristan le à peu près. Donc là, bon tas. Ouais, après, t'as parlé à Zer, après le temple Osamodas. Ouais. Nouveau sort, Molly. Et t'as une nouvelle panneau, tu seras à 9 PA. Oui. Sors, parce qu'ils ont du tout me saccader. Oh non, pas les capes. Bizarre. T'as requis psychopathe, yay. Purgatorio, ils n'avaient plus de nom pour... Une fois que vous avez parlé à Maïro, vous pouvez aller à l'atelier des paysans, et trois maps en dessous, il y a Chris de Nair. Est-ce qu'on lui reprend une quête? Oui, vous pouvez la lancer, oui. Faut faire des caps, putain. 10. 10 caps qui puent. Oh, la brachnide ancestrale. Ouais. Mais il est niveau 90, donc on va voir plus tard. Il est un peu chaud, ouais. Je vais voir pour les capes. Elles s'achètent ou il faut les crafter? J'ai oublié. Elles s'achètent. Je
sur combien un couteau comme on ça. On lui dit quoi à monsieur Chris Denner? Le premier. Vol, je crois. Le premier, il me semble. Attendez, je suis pas encore. À quelle épée ils ont? Ok. Je dois gérer des rencontres. Et voilà, je vais parler. Mais c'est tout. T'as regardé pour les capes, Jay? Je suis en train là. Putain, je suis perdu. Oui, cap bontarienne. Ça coûte cher. 20 000 la cape. Ah oui, quand même. Donc, les 10, c'est 200 000. Allez, recette. Tailleur niveau 1, il faut de la teinture magique bleutée. Ah, c'est ça qui vaut cher. Ah, oh, putain, c'est super cher, ça. Ouais. De la laine de Raman Strubien, ça, ça va. Et des plumes de Crowney. Bon, je vais regarder pour les teintures. Attends, il faut... Je vais chercher tout ça. Je vais le faire. Ça va faire monter le métier. Non, hôtel de vente des ressources. Alors. Achat. Raman Strubien. Raman. Ok, donc 40 laines de Raman Strubien, ça, ça va. Ok. Ensuite, des plumes de Crowney. Fait vachement bien la Crowney. T'as vu? Donc il en faut 40 aussi, ça coûte un peu plus cher. Chut, on est en train d'enregistrer. Ok. Qui dit? Non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, merci. Mais trop tard. Et de la teinture magique bleutée. Attends, putain. T'achètes pour tout le monde? Ouais, je vais faire à tout le monde. Ah, oh la vache, mais les teintures, mais calmez votre sexe. Mais tu peux peut-être la fabriquer. C'est toi-même. Pour ça, je regarde. Mais oh oui. Non, faut de la gelée bleutée, j'ai tout vendu. Moi j'en ai encore, je crois. Alors il m'en faut ben, 40. 40 gelées bleutées. Ça tombe bien, j'en ai pas 40. Et de la peau de larve bleue. Oh putain, bon. Il faut 400 peaux de larve bleue. Ouais. Non, attends, 800. Et 24 gelées bleutées. T'as 34 gelées bleutées ? 24. Ah, c'est pas mal, ça. Ça m'intéresse. Jake, il t'en reste ? Deux. Des gelées bleutées, il t'en reste ? Ah, mais... C'est dans ressources ? Ah, mais la peau de larve bleue, mais ça coûte un bras aussi. En même temps, c'est super chiant. Ouais, tu suis ? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Rendez-vous, atelier des tailleurs ? Ouais. 8. Alchi, d'abord. Attends, les teintures, c'est comment? C'est l'alchimie, hein? Oui, c'est l'alchimie. Ok, donc d'abord là, l'alchimiste. Vous avez des gelées bleutées, les autres? Des gelées bleutées royales. Non, juste gelées bleutées. Ah oui, gelées bleutées, j'en ai 25. Ok, rendez-vous à l'atelier des alchimistes, s'il vous plaît. Ah, je suis devant l'hôtel des ventes. Ah, désolé. Je suis dedans. J'arrive. Atelier. Donc on va commencer avec toi, Thomas. Non, je vais pas faire un échange. Il faut que je sois à côté ? Non. Attends, t'es où ? T'es là. Juste à côté. Ah, mais t'es ultra moche ! Je pensais pas que c'était toi, mais t'es... Ah, mais il est laid ! Alors, invité à préparer une potion. Il en faut combien ? Eh ben, tu mets ton maximum. Hein. Ben, mets-en 20 et t'en feras 20 avec Jake. Allez, ok. Donc ça fait... Moi j'en mets 400. Hop. Pourquoi il me propose rien? Ah attends, juste, oui, ouais, mais... Mais juste une gelée. Oui. Voilà, on est con. Vous faites une recette et... Ouais mais il faut en faire 20 fois. Tu peux mettre 20 s'il te plaît. Mais c'est à toi de mettre. Mais je peux pas. On est obligé de faire objet par objet ou quoi? Ouais, tu vas m'échanger. Non, oui, faites l'échange. Vous pouvez pas faire plusieurs objets si vous vous apportez chacun des ingrédients. Putain, c'est débile. Bah non,
dans ce cas-là, je vais prendre aussi les gelées de... De moi. File-moi en 20. Je t'en file 24, comme ça tu les revendrais. Oh putain. Mais non, okay. Mais 4 alors. Oui, non, non, mais c'est bon. Putain, mais... Pas que ça foutre. Pas que je me cache, je suis moche. Oui, c'est en plus t'es moche, oui, va te cacher. Il s'en fout, il a 9 PA. T'avoues ? Ouais, mais c'est moche. J'ai 6 PM, putain, trop stylé. C'est tout ? Ouais. Merci. Allez, je fais les teintures. Donc... Lettre d'invitation pour la cérémonie. Hop. Allez voir le maître des clés. 40, fusionné. Ok. Et maintenant, je passe chez le tailleur. Attends, Thomas... Avant d'aller voir le maître des clés. Ah, c'est bon, je suis encore à l'atelier. Atelier des tailleurs. Sous le tailleur, en bas. AT. Je connais même plus mon alphabet. Mais... Tous rendez-vous atelier des tailleurs, s'il vous plaît. Merci. Okay. Vous vous dépêchez maintenant. Alors, les recettes possibles, les capes bontariennes, et j'en fais 40. Eh ben, ça m'a coûté je sais pas combien, mais j'ai plus d'argent. Ah merde. J'ai 128 000. Ouais, j'en ai en banque, hein, mais... Banque. Ça m'a coûté bien cher, cette histoire. Putain. Bon, au moins j'ai passé mon tailleur niveau 7, lol. On y retournera au bois ou pas? Non. Ah non, c'est des chaffeurs. Allons, on sort. Pourquoi j'ai ça? J'ai une question. Non. Oui. Ce que t'as dépensé là, est-ce que c'est plus rentable que le fait de ne pas les avoir, que de les avoir achetés ou pas? Je pense que ça m'a fait sauvegarder quelques kamas, ouais. D'accord. Je pense. En vrai, oui. Parce que, enfin, on va dire que. Le plus cher, ça a été les pots de larve bleue. Pour tes 10 caps à toi, en gros, ça m'a mis... j'arrondis tout. Hein, 150 000 kamas. Mm-hmm. Et les caps, ça se vendait 200 000. Donc d'accord. J'ai sauvegardé 50 000 kamas par personne. Ce qui est bien. Ah oui, quand même. Ouais. Et t'as fait monter ton métier avec une recette de niveau 1. Ouais. Mais j'étais déjà niveau 1 avec mon tailleur, donc c'est bien. On retourne à la milice. On va à la milice. Oui. C'est à la milice. On va à la milice. Ok. On va sur la map où il y a Amairo. Mayonnaise. Ça va rester. Et on va en bas à droite. On parle au capitaine. Koda. Et maintenant, on peut aller voir le maître des clés. C'est quel Zab déjà? Les lacs? Oui. Ok. Zab, les lacs de Cagna. Plaine de Cagna, lac de Cagna. Si vous préférez. Cagna! Okay. Pourquoi tu passes par là, lui? Je sais pas, c'est le pilote automatique. Pff, j'en ai marre de ton pilote automatique. Pilote automatique. Ah, t'es pas au courant? Les montures, si tu payes un truc, elles peuvent apprendre la compétence pilotage automatique. Tu dis, bon, ben, j'ai envie d'aller par exemple en moins 6,37 et ça se fait tout seul. Et j'achète, c'est où? C'est une potion à l'hôtel de vente des créatures. Qui coûte d'accord. Au moins 2-3 millions. Oui, ça coûte 2 millions. Bah tu vas mais devoir c'est farmer. Permanent. C'est permanent. Oui. Oui, oui, c'est permanent. D'accord. Mais pour n'importe quel monde. Ça sert plus à rien de jouer. Mais en vrai, oui, pour Guillaume, ça peut être bien. C'est vrai que pour Guillaume, ça peut être bien. Oui. Je connais pas très bien le jeu. Il y aurait une potion pour finir les combats en un seul coup. N'importe quoi. Ah, ça s'appelle être un crâne.
Ok. Tout le monde a parlé au maître des clés. Non, attendez, non, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. On n'y va pas. Hein ? Le moins 6 et le moins 37, déjà, c'est... ici. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? T'es en quel... T'es sur quel map ? Ouais. Je suis avec plein de... Blop ! Merci, oui, c'est d'accord, mais... Plapla. J'arrive, j'arrive, je vois la tour, faut juste que je contourne le lac. Ok. T'es passé par en haut ? Ouais. Fallait passer par en bas. Ouais, mais... Mais c'est pas grave. Le plafond de votre carte sera de 19€ à 38€. Yes ! Waouh ! Stylé. De quoi tu parles ? Non, c'est des affaires privées, on n'en parle pas. Et leur voilà. Utilisation sera autorisée les dimanches. On a dit qu'on n'en parle pas, putain ! Et non, on recommence pas avec tous les bruits. Maître des clés. Oui, tu lui parles. Demandez l'article commandé par Amairo. Oui. Oui. Ouais. Et maintenant, tu peux sortir et apparemment, on a autre chose à faire. Maintenant, on va dans la foire du Troul, qui est juste à côté, en moins 12, moins 39. Sur la gauche, donc. Ouais. Oh. Oh non. Ah, c'est bon, on est repassé en mode créature, très bien. Comme ça, on voit pas la tête de Thomas. Oh, il est moche. Avec son chapeau de farle, là. Ah ben. Ah, mais cachez-moi ça. C'est pas si dégueu, hein. Ouais, un peu quand même, hein. Donc en fait, ouais, ta mission maintenant, je pense, pour gagner le jeu, Guillaume, c'est qu'il faut que tu ailles farmer les métiers pour avoir le truc d'autopilotage. Ouais. Courage. Ouais, mais je le ferai, je le ferai. Vas-y, en combien ? Moins 12, moins 39. Ta-na-na. Oh là, doucement. On va faire un cadeau. Faut rentrer dans la foire, hein. Oui. Mmh. Ok. On fait un cadeau. On peut faire du manège ? Non. Non. Oh. Bon, on va faire un cadeau avec Jean Ball. Jean Ball ? Mais c'est pas mieux que Keko Prune. Car la jambe est... Elle est mythique, c'est tout. Jake, faut rentrer dans la tente. C'est dégueulasse. J'en étais sûr. Je le savais. Où tu vas, Jake ? Dans la tente. Mais... Tu parles à Jean-Bel. C'est dégueulasse. Et tu achètes un emballage de félicitations. C'est se renseigner. Non, acheter, vendre. Mais emballage d'excuses. Ah, pardon. Une étiquette. Tiens, 1000 balles pour lui. Maintenant, on peut retourner voir Amairo. Non, sérieux ? Mais on n'a pas fait le cadeau. Une enveloppe pas ? Mais il veut pas un cadeau, il veut un emballage de félicitations. Il est complètement con, je dis. Il est nul. Ouais, il est nul. Mais après, tu peux faire un cadeau pour toi si tu veux. Non, tant pis, j'ai pas envie de faire un cadeau. Tu t'achètes un... Je suis pas si désespéré que ça, merci. Mais on pouvait pas du coup envoyer qu'un parmi nous acheter les quatre ? Si. Ça aurait été plus rapide ? Non, parce qu'après il aurait fallu faire tous les échanges. Et là, du coup, on retourne à Banta. Oui. Et puis ça te fait découvrir le pays. Waouh. Ça te fera les jambes. Super, ça nous fait de l'XP. Votre alignement est maintenant de 23. 23. Brenda. Mmh. Oh non, faut faire les patates. Oui. Non. Il faut qu'on aille voir le cuisinier. D'ailleurs, ils l'ont mal fait. C'est cuisinier, pas cuisinier. C'est vrai. Quoi ? Attends.
T'es où, Jake? Je lis la quête. Cuisinier. Allez voir Rei Nisuc. Non, cuisinier. Non, il y a écrit Rei Nisuc. Ah, non, il y a écrit guitare. Il y a écrit guitare. Reste là, Eric. Hein. Mais oui, oh. Faut aller du en coup, bas. Là, donc c'est atelier droite. De cuisine en bas à droite. Non, Jake, reviens. Faut aller en bas à droite. En bas à droite. Tout le monde se barre. Maintenant, tu vas en haut à droite. Et maintenant, on va éplucher des patates pendant 20 ans. Ah, pas si. Prends. Alors, maintenant, faut éplucher des patates. Il y en a là. Il faut être patient. Quoi? Bah, faut attendre qu'elle repop. C'est le tas par terre là? Oui, il en faut 25. Hein. 25. On peut pas le faire hors stream, ça? Oui, on peut, oui. Ah non, sans déconner, c'est chiant. Y'en a autre part ou pas? Oui, dans la prison. Vous retournez voir sur la map d'Amairo. Qui est? Oh. Bah, c'est bon, j'ai tout ramassé dans la prison, donc ça sert à rien d'y aller. Y'en a combien? J'en ai... 20. C'est dommage. Le mec il nous emmène là où il y a un seul tas. Et lui il va tout ramasser tout seul. Surtout la prison, je sais même plus où elle est. Bon, on le fera hors stream ça. Ouais, je pense, ouais. Sinon, c'est où la prison pour. Là, tu vas en haut à gauche. Et c'est l'escalier Allez. Qui descend à gauche. Cachot quoi. Les patates, on est obligé de les ramasser, on peut pas les acheter. Ouais. Si seulement il y avait une épicerie, on pouvait en acheter. Bon bah ça. Là où tu peux acheter de l'eau. Tu peux les acheter mais. Ah, il y a deux tas en plus de patates dans la prison. Ça fait quoi si on actionne le levier? Absolument rien. Oh. Si on peut les acheter les pommes de terre. Après faut aussi des ailes de dragodin donc. Est-ce qu'on va combattre des dragodins? Ben soit on en combat soit on achète directement les ailes. Putain. Eh, j'ai dépensé des dragodins. Le truc le plus. Bon je vais horrible. Voir en HDV alors. Je vais voir vite fait mais. Quand on clique sur le tas de patates. C'est... On a les 25 d'un coup? Non, t'en as 10. Oh putain. Oui, comme tu dis. Oh putain. Oh, je trouve un autre mot pour ça. Purée. Oh purée, elle est patate. Purée, patate. Non, pas. Oui, on a compris, purée, patate. Il répète trois fois en gazé. Eh, purée, patate. Oui. Eh, purée, voilà. Patate. C'est deux patates qui traversent la route, il y en a une qui se fait écraser. Oh purée, voilà, c'est fait. Ah, vous me fatiguez. Bah, au moins t'as ta blague. Bon, j'ai acheté des pommes de terre pour tout le monde. Alors, les ailes. Ok. Coûte combien? 9500 kamas, les 100. Ah oui, quand même. Les 100, ça va. Mais attends, mais c'est une... Genre 10 000 kamas juste en ramassant des patates. C'est même mieux que d'aller ramasser du pain et tout ça, quoi. Oh, l'enfer, les patates de merde. Les ailes de Dragodin. Putain, ça coûte rien. En 4x4, 16. Okay. Oui. 16 Kama. Bon, je retourne voir Mayonnaise. Allez sur la map de Amairo. Du cuisinier plutôt. Oui, si vous voulez. Ben, c'est là où il faut tout rendre. J'ai 6 patates. Bravo. Tu vas en avoir un peu plus. Ouais. C'est quoi? Des patates. Non, il me donne des ailes. Mais c'est pour la suite de la quête. Pour la quête? Ah, d'accord. Il faut ramener 25 pommes de terre épluchées, des ailes de dragon d'Inde. Je pensais que c'était pour épicer les plats. Donc 25, hein.
Voilà. Et maintenant, tu peux parler au cuisinier. Oh ah non, c'est juste un rang 2. Un rang 2 Balumbé. Balumbé. Vous agglutinez, là. On peut signer le fait qu'on épluche des pommes de terre. Je trouve ça marrant. Signer, ah bon. Je sais quoi, j'ai pas compris. Quand tu fabriques un équipement, tu peux utiliser une rune de signature pour qu'il y ait ton nom sur l'équipement. Ah ouais, on peut graver des patates du coup. Ouais. Mais non, non, non. C'est que sur les équipements. Ça marche pas. Trouver le colonel Yeno. Alors. Colonel Yeno. Il cherche le truc. Il n'y en a pas. Donc, va falloir. Mais non, aller... le colonel O'Neill. C'est con. Hein. Mais c'est vrai en plus, putain. Mais oui, c'est vrai. Mais putain, mais vous êtes mauvais. Oh là là. Bon, tout le monde a lancé la quête. Oui. Oui, oui, oui. Alors, vous allez aux Zap Montagne des Crackleurs. C'est devenu un arbre. Ah putain, je l'ai pas, je crois. Quoi? Genre, à Macna, montagne des crackleurs? Oui. Je l'ai pas. Bon, bah, quel... retour au village. Bah, Strub, alors. Pourquoi Strub? Bah, c'est l'autre zap le plus proche. Ou la plaine des Porcas, comme tu veux. Ouais, la plaine des Porcas. Ah ouais? Mais je l'ai pas, mais merde, incroyable. Non, c'est Strub le plus proche. Et ensuite, on va en moins 4, moins 12. Mon dieu, il va falloir en descendre les maps. Ah. Oh. Mais comment tu veux descendre? Hein? Quoi? Bah, je suis en moins 4, moins 8, mais je sais pas comment on descend. Ah, mais toi, tu l'as, le zap. C'est parce que nous, on l'avait pas. Ah, il faut monter. Moins hein? 12, c'est le... haut. Les abscisses sont inversées. Mais non. Je me fais... C'est plus impossible, il me faut aussi une feuille. Pardonnez, pardon. Vous parlez vraiment le non-sens hein, quand vous y mettez. Y a quoi, il commence. Va combattre la braquine ancestrale. Non, pas encore. Non, c'est pas encore. Une mine. Le cousin balin. Une toile d'araignée partout. Je meurs à l'intérieur. Ils ont changé les tronquinidins. C'est bon, au moins j'ai le zap. Alors on a dit moins 4, 8. Ouais. Non, moins 4, moins 12. Ah ouais, c'est ça. Attends, mais c'est par où? En haut, il est légèrement à droite. Ah, mais c'est... Par là où je viens. En diagonale de l'atelier du formage. Au-delà de ce que je vois. Monsieur Robert. Quoi? Le pirate Robert. Super, Draken est en ligne. Oh, la joie, dis donc. Bah, toi aussi, hein, le pirate Robert.
Oui, mais Peter Atrobert, on le connaît pas. Mais si, t'es con, quoi. Oui, mais merci, j'ai la référence. Ah, mais merci, parce que là, j'allais dire, non, mais là, tu fais exprès. Non, mais on s'en fout du pirate Robert, Draken, on s'en fout moins. Bah, je préfère le pirate Robert, voilà. Ce sera dit et amplifié. Eh ben, fais ce que tu veux. On est là, on rentre dans la mine. Une mine. On prend l'échelle. Une échelle. Non, c'est bon, j'arrête. Alors, surtout... Putain, j'ai crash. Tout voilà. Ouais. Chef. Du coup, on est sur une map et on sait pas ce qu'il faut surtout pas faire. Bah, il faut pas marcher dans les trous, j'imagine. Quel trou? Bah, il y en a plein, là, des trous. Oh, mais ils sont pas visibles. Okay, quand oui, même. Ouah, il y avait pas de file d'attente? Non. Incroyable. Qui sont faits. Vous pouvez me réinviter dans le groupe, s'il vous plaît. Non. Ah. Merci. Donc vous vous trompez pas de trou, sinon vous recommencez de tout le début. Ah, parce qu'il faut tomber dans un trou. Oui. Oui. Lequel? Bah, il va pas dire. On prend l'échelle. C'est exactement la même que tout à l'heure. On va dans celui-là. Attends, t'as dit celui-là, mais je suis pas là. Oui, bah. En face de moi. On prend l'échelle. Allez, Jake. Oui, j'arrive, je fais attention. Attention à quoi, y'a rien. C'est bizarre comme. On prend l'échelle. C'est bizarre ce jeu. Vous avez pas marre de vous plaindre, putain. Dit-il. Non mais c'est une partie du jeu que je trouve bizarre parce que j'ai jamais fait ça et... Ah bah parce que t'as jamais fait les quêtes d'un lion. On reprend l'échelle. Si mais pas jusqu'ici. Ah bah voilà, bah tu l'as jamais fait. Oh putain mais... On va dans celui-là. T'as combien? Il y en a 16. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de très grave là, dans la rue. Pourquoi? Ah, dans la rue. Ah ouais, il y a des flics qui viennent de passer, mais genre hyper vite et tout, enfin. Oh la vache. Ils sont venus m'arrêter parce que je porte un chapeau trop moche. Oui. C'est pas on prend l'échelle et on est arrivé. C'est pas moi du tout qui les ai appelés. Allez sur la map de droite. Oh, il y a des fleurs partout. Oui, il y a des fleurs partout. Mais elles sont nulles ces fleurs maintenant. Alors, attention, ça va lancer un combat. Ah. Pas de suite, vous pouvez parler au colonel. Tu parles ? Oui. Accepté ? Oui. Oui. Ah, ça fait pas du tout la gueule du jeu, c'est bien. J'adore. Dior. Dior. Oh, ça va nous porter le bonheur. Non, pas du tout. Si, parce qu'on touche du bois. Vous pouvez venir avec moi ou pas? Non. Ça non je... Bon, bah, c'est un combat qui se fait tout seul alors. C'est qu'est-ce qu'il faut se battre, comme quoi? Mais il faut parler au gobelin. Faut parler au gobelin qui est tout à fait à gauche. Voilà, j'ai bande de bontariens. Holy fuck! Ah! Mais il y a du monde! Oui. Mais il y a du monde! 75. C'est bon, là où il fait oh. C'est bon, on a gagné, il fait des bruits. Bon, j'ai fini. Sérieux? Non. J'aime bien tout le monde qui a cru, c'est genre ouais. Trop fort. Trop fort. S'il meurt, on a perdu le combat ou pas? Ça va, il est 1100 points de vie. S'il meurt, c'est que t'as vraiment fait de la merde. Il invoque des sarac. C'est un arbre qui vomit quand même. Alors, t'as jamais vu un arbre vomir? Je sais pas ce qu'il a bu. Heureusement qu'on a pas de panda.
Gueule de bois. Gueule de bois. Ils sont trop cool, les pandas. Wow, wow, wow. Bruh. C'est ça qu'il fait en fait. Bruh. Aïe 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 aïe. C'est pas un sort qui attaque en ligne. Allez, l'arbre, s'il te plaît. Ah, ça fait plaisir. Ça fait mal. J'ai un bâton. Le bâton. Le bâton. Le bâton plus fort que le citron. Oh la vache, ce que je viens de leur mettre. Ah, je fais des dégâts normaux. Oh, bougez pas, ce sera parfait. Wow. Et cette fois-ci, c'est vrai. Ah, mais toi aussi, salaud. Pourquoi tu fais des persos qui sont toujours trop forts, quoi? Je sais pas, comme ça. Ouais, j'aime bien les dégâts. J'aime pas être un prolo. Il parle l'autre bout du monde, lui. Le bout du monde. Ah, Guillaume a fini. Ouais. C'est difficile. Hein. Alors que le moche fait des noms, des gars. T'es Bob le moche, mets un sac sur ta tête. Ça va te rassurer parce qu'à chaque fois que j'utilise un masque, mon chapeau il disparaît. Je crois que mon téléphone m'écoute. Ah bon? Bah c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Il y a 20 minutes, il me fait Uber Eats, un plat acheté, un plat offert. Genre, il m'écoute, genre, je vais livrer. Oh, ah, c'est vite. J'ai trompé une bobale surprise. Ah bon? Ouais. T'es sérieux? Mais c'est quoi ces gens? Non, mais laisse tomber. C'est trop bien pour nous. Bon, vous reparlez au gobelin. Vous reparlez au gobelin. D'accord, je reparle au gobelin. Et on va voir un sorcier. Un sorcier, n'importe lequel. Ok. Mais non, regarde son nom. Lali Polaire. Il a mon tas, hein, pour ceux qui se demandent. Ah. J'ai pas la rêve. Ben, c'est Harry Potter. Oh, on peut plus parler de riz. Tu es un sorcier, Harry. Il est à la milice? Non, il est. Tu sors de la milice et il est juste en haut à gauche. Pas tout en haut à gauche, juste en haut à gauche. Juste en haut à gauche. Parce que tout en haut à gauche, il va partir dans les. À Bob Elwood les Bains. Exactement. Je suis un gentil sorcier. Allez. Ouais, le colonel a repris sa tronche. Il faut le ramener à la Maguire. Parle au sorcier. Et après, on va voir mayonnaise. Oui. Le pauvre. Il avait un nom pas trop mal et puis il est devenu mayonnaise.
Vous avez maigri, non? Ouais, niveau 82. Waouh. Attends, je change de suite mes oreilles. Je passe du coup à là. Au Fennec. Petit Fennec. Kawaii des. Kawaii. C'est très drôle. C'est quoi ton panneau? Kawaii. C'est la panoplie du désert. Ok. À ne pas confondre avec la panoplie du dessert. C'était nul, hein? Vous avez aimé, j'espère. Beaucoup. Oh oui, j'aime beaucoup. Donc, on repart à mayonnaise. J'accepte. Ah, faut aller voir Danator. Il a pas de poupée. Ah, mais il est pas long. Il est tout en haut à gauche. Au palais. Alors que Draken déverrouille et tous en train de les faire succès ses de Doppel. à côté de l'atelier des bijoutiers. C'est quel zap? Qui? À côté de l'atelier des bijoutiers. Je viens de le dire. Je suis très déçu. Attends, le mec s'appelait comment? Ewoland. Ewoland, il s'appelle, putain. Incroyable. Apporter les ingrédients de la liste de... Oh non. Trois bouts de coco, un bol. Attends, faut un bol? Oui. Un bol. Et des cerises. Merci. Tu la vois où, cette liste? Dans la... L'onglet quête. Et on va gagner 10 000 comme un. Je le vois pas. Jake, t'es où? Moi, je vais à l'hôtel des ventes. Mais non, j'ai tout acheté. Apporter les ingrédients de la liste. C'est vrai que tu l'as donc, pas dit, donc. Je reviens dans la salle. Tu peux me montrer où est-ce qu'elle est, la liste? Je t'ai dit dans ton cul. Elle est là. Regarde sur le stream. Genre là. Ah! Mmh. Mmh. Blab. Oh, c'est le blopisier. Faut le crafter ou il nous l'a donné? Non, faut le fabriquer. Ah, si on refuse, on... On peut continuer ou pas? Quoi? Mais t'es obligé d'accepter, en fait. Oh. Le blopisier, c'est l'atelier des paysans. Non. Ah. Alchimiste. Si, pardon, je te dis n'importe quoi. Oui, oui, non, mais. Je vais me faire plus confiance en moi à partir de maintenant. Hein. Ce serait bien, hein. Ouais. C'est bon, tout le monde en est allé à l'étape du blopisier. Mm-hmm. Ok, ben rendez-vous à l'atelier des paysans. On va aller où? Je vais te taper. Non. Et on fait quoi? Tu craftes un blopisier empoisonné. Tu cliques sur un four et tu fabriques un blopisier empoisonné. Calme-toi. Oh.
sans déconner, oui. Tu poses le blobusier dans une armoire. Oui. C'est complètement con. Tu le poses même pas sur la table, quoi. Attends, parce que... Blo... Aucune recette trouvée. Tu fais... Même crafté. Si tu coches uniquement les recettes craftables. Je suis bien sûr un four, hein, c'est ça. T'as fait cuire, hein, t'as pas fait moudre. Hein. Je suis sur le four. Descends de ce four. Aucune recette trouvée. Mais j'ai raté une étape. Je sais pas. T'as bien parlé à Danator. C'est quoi là que tu dois faire? C'est qui Danator? Danator, c'est celui que. Qui avait au palais de Bonta. Qui est au palais de Bonta. Oui. Quand je t'ai donné les ressources, tu as reparlé à Danator? Oui. Et là, je dois déposer le blopisier dans la maison de Rimar. Bah c'est bon, tu l'as fabriqué. Mais j'ai même pas crafté quoi que ce soit. Non, t'as... Non. T'as pas encore fabriqué, peut-être. T'as pas marre, Louis, de dire des conneries. Désolé. Alors, attends. Donc, t'es à l'atelier des paysans. Donc, oui. J'arrive. Tu cliques sur un four, tu fais cuire. Et tu cliques sur les recettes que tu peux faire. Tu fais cuire et tout en bas à gauche, tu as affiché uniquement les recettes possibles. Ouais. Et là, t'as un petit cuisine. Est-ce que tu as quelque chose? C'est bon, c'est bon. Voilà. Ok. Non, maintenant. Donc là, on revient dans le palais. Non, tu vas à la taverne de la Tabasse. Taverne de la Tabasse. Quand tu y es, tu montes d'une case et tu rentres dans la maison à côté du PNJ. Je sais plus comment il s'appelle. Ain, je sais pas quoi là. Et dans cette maison, il y a des armoires. Et il y en a une qui est cliquable et tu cliques dessus. T'es bon? Alors, je suis monté d'une case. Ouais, tu vas dans la maison. À côté du PNJ qui s'appelle Ain, je sais pas quoi là. Nadistique. Voilà, lui. Il y a une armoire qui est câble. Et oui, tu cliques dessus. Et il clique, et il clique, et il clique. Et tu as fini la quête, je te félicite. Voilà. Maintenant, tu peux retourner voir Mayonnaise. Au palais. À la milice. À la milice. Et d'où c'est aussi cher les obligevants? Obligevants, s'il te plaît. Obligevants? T'as dit obligevants. Obligevants. Je vous redis comme ça. Putain, d'où c'est aussi cher? Parce que c'est nul. C'est surtout ça. C'est cher parce que c'est nul. On va combattre des maîtres bolés? Eh oui. Oh non, j'aime pas les mettre bouler. Par contre, le taux d'obtention de base est de 5%. Ouf, ça va être bien, ça, on va devoir farmer. C'est un objet de quête? Et j'imagine, oui. Oui, oui, oui. Ok. Où allons-nous? Ils sont où? La télé des paysans. T'as reparlé à Maïro? Ouais, j'ai la quête à Maïro à l'ombre du shampoo. Très bien. Ben, je sais pas où on va. Zappy. Atelier des paysans. Bon, le taux de drop doit être aussi rare que des sangliers agressifs. Donc prenez le zap des champs de Kania. Ok. Bon. Oui, parce que les maîtres volés ne sont plus dans les champs de Kania. Oh. Et on descend de deux maps. Zap. Et. Il y a un monde à ce zap à chaque fois. Oh là là. Les champs de Kania? Oui, les champs de Kania, oui. En fait, ça m'a perturbé parce que t'as dit prenez le zap des champs de Kania, mais les maîtres volés ne sont plus dans les champs de Kania.
Bon, mais il n'y a plus qu'à trouver des maîtres brûlés. Il ressemble à quoi? À des champignons et des gros shampoos. Enfin, avec des shampoos plats. On dirait des samouraïs avec des shampoos de champignons. 538. Je sais pas si vous vous sentez de le faire. Ça? Un groupe 538. Moi j'en ai un 204. Ah bah, on est 3 dessus. En moins 26, moins 33. Oui. Voilà. Ah mon dieu, mais va te cacher derrière un caillou, fais un truc. Alors que regarde, moi je suis tout kawaii. C'est pas vrai. C'est comme ça, je reste tout seul. Ah super. Faudrait essayer de faire un chat. On va faire le chat. Hein. C'est pas très dur en vrai. Alors. Neuf PA. Bah bouge pas en fait. Non, je ne bouge point. Bing. De toute façon, on sait tous que Guillaume il va le dropper avant nous. Bah, c'est une évidence. Merci bouclier. Allez, c'est parti. Boule. Est-ce que je suis taclé? Oui. Oh non. Ouais, c'est pas grave, je peux me déplacer. C'est juste que là, je la tête en l'air. Si je fais ma griffe invocatrice, c'est pas grave pour le challenge? Ouais, c'est pas grave. Ok. Je savais plus si ça comptait. Non, là c'est bon. Non, reste pas là le chaton. Tant pis pour le chaton. C'est vrai que moi aussi il me casse bien les couilles, le chaton. Et on l'a tout droppé. Pas droppé. C'est vrai? Mais non. Non, on a rien.
faudrait un groupe avec au moins 2 maîtres bowling. Au moins 2, au moins 2. Oh, j'ai ramassé du bois. J'en ai 3 maîtres bowling là. Ah, nice. Juste en dessous. Et il y a 4 autres mobs. Ah, vous voulez le faire? Peut-être qu'il y a plus intéressant ailleurs. Hein. On peut tenter. Hein. Allez, si il y a rien à gauche. Pas, si on n'a pas un chat de merde. Allez. Blitzkrieg. Tout le monde a toute sa vie. Allez. Oh la map pourrie. Oh la merde. Moi j'aime bien. T'as juste à zoomer et c'est bon. Ouais, tiens, on est les 4 mousquetaires. J'ai zoomé, mais je vois juste le pagne du vétéran. Pas de cac. Ouais, le premier qui utilise son arme, je lui mets dans la tronche. Est-ce que je peux taper là? Non. On va se préparer au prochain tour. Moi je vais passer en créer là. Que je me mette quelque part en particulier, lui ou pas? Non. Tiens, il soigne. Champ, champ. Champ, champ, c'est miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Cet enfant est un génie. Pourquoi cet enfant est un génie? C'est dans une vidéo du genre du grenier où... je sais plus qui c'est qui... Non, c'est en off, genre... T'entends un enfant qui fait... miam, miam. Non, c'est bis, 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 crunch, crunch, crunch. Et après, t'as Seb qui fait « Cet enfant est un génie !» Il y a un peu beaucoup de champignons, là, par contre. Hein. Oui. Putain, mais sortez-moi cet enfant de la salle de réunion. Bip, 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 croc, croc, croc. What the fuck. La timeline, toujours plus grande. Oui. Merci, hein, j'apprécie. Flouf. Ah non, je peux pas mince. Mais y'a quoi de drôle? On a perdu. Eh, parce que tu m'as tapé en fait. T'es au milieu, hein. C'était tellement gratos, je tiens. J'ai perdu 184 points de bouclier. Ça va, ça reste du bouclier. Aïe aïe aïe. Moi je trouve ça très drôle. Qu'est-ce que je peux taper? Attends, on y voit rien. T'as qu'à taper le chat, là. Ce chat avait la coquille d'œuf sur la tête. C'est pour ça qu'il t'a pas vu. J'aurais dû laisser mon chapeau pour être plus visible. Peut-être, oui. Ça aurait fait un coup. Oulala. Oh, tellement de plus 4. Hé, hey, mon tofu. Assassin. Alors. Toi, t'es mort. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. Allez. Merci. Et je vais affaiblir... là-bas. De côté, de côté. Foin. Oula. Ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir me sortir de ce merdier. Mais au tour prochain. Ouf. Tu me fatigues. J'ai rien dit. Oui, mais je le sais.
c'est compliqué là. Les oranges, ce sont des invocations. C'est ça. Ouais. D'accord. Et le zobal en haut à gauche, là, faut pas le taper. C'est quoi un zobal? Ah, c'est toi. Non, non, mais... Enfin, sans rire, tu as vraiment demandé c'est quoi un zobal? Non, tu connais pas forcément le nom de toutes les classes non plus. Bah, des nôtres quand même. Ah bon, bah non. Non, je suis sûr qu'il connaît pas le nom de la classe de Louis. Sacrilleur. Ah, ça va. C'est parce qu'il l'a lu. J'avais la souris dessus. Aïe, aïe, aïe. Et sans tricher, tu sais dire le nom de ta classe? Ekaflip. Ouais. J'aime bien le sans tricher. Il a regardé il y a genre 2 secondes. Non, non, non. Genre vite, vite, vite. Allez. Foo Fighter. C'est un groupe de musique. Et c'est l'heure de l'envol. Ah, c'est une arme de chasse. On va faire ça. Le bâton, il vole de la vie. Il utilise pas ton cac, hein. Est-ce que si je l'utilise dans le vide... Oui. Oui, ça fonctionne. J'ai essayé. Et oui, il nous a foutu en l'air 2-3 trucs comme ça. Plus, non, c'était contraint d'Opal que je l'avais fait. Bravo, bel état d'esprit. Cette carte souffre d'un malus total d'expérience et de butin de moins 18%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui farment. Non, c'est... Bien joué, ça. Ré. 500. Je peux taper qui, moi? Aïe. Mais vous allez mourir. C'est pas grave, je pourrais ressusciter. Mais vous allez mourir. Ah oui, c'est... Pour 2 tours, mais... je pourrais quand même. Paf. Martello. Merde, j'ai oublié d'invoquer avant. Tant pis. Ah, le con. Bon, c'est pas grave. Un tofu. Ok, alors. Toi. Non, toi. Je peux toi, faire toi, ça. Activer la possibilité toi. De forcer la marche du personnage. Les oui. Papillons en l'air. En oui. Fait, t'as remis ton mode tactique, toi? Je viens de le refaire. Hein.
Et alors ? Ah mais c'est l'heure, j'avais même pas eu. Mais il se passe rien. Non. Rien du tout. Est-ce que c'est au CPM ? Alors ? Est-ce qu'on a dropé ? Papa, papa. Oh, Imaginario, il vient de passer niveau 80. Oh, je ne l'ai pas eu ! Mais toi, oui ! Nick ! C'était quoi l'item ? Le. Shampoo banal. Banal. C'est quoi ça, un shampoo banal ? Salaud ! Eh hein ! Putain. Bon, on va arrêter là. Et oui. Le faudra problème, peut-être le dropper en stream. Hein. C'est ça le problème, c'est que ben, vu qu'on joue demain, je sais pas si on va pouvoir rejouer en stream. Non, mais on fera autre chose, c'est pas grave. Ah, demain, on fera autre chose, ok. Oui, on a plein d'autres trucs à faire. Ok. Bon, ben sur ce, on s'arrête là. À demain, 14h pour Evoland 2 et à demain, 17h pour du Dofus. Voilà. Chouette. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, et de venir nous voir sur Discord parce que, ben, on fait des blagues. On poste beaucoup de choses, notamment Imagiro qui a posté des mèmes aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, le mot de la fin, Imagiro ? Imagiro. D'accord, très bien. Demain, ça sera notre mot. Pas du tout narcissique. Bon, allez, bisous, à demain, ciao. Bonne soirée. Bisous. Au revoir.